Hey, coucou, j'espère que tu passes un bon dimanche. Je me connecte ici pour t'inviter à expérimenter la magie du féminin sacré et la magie d'une sororité. Il y a un groupe que j'ai créé pour le stage que je redonne, donc j'ai donné jeudi dernier et que je redonne ce mercredi-ci parce qu'il y a eu plein de gens qui n'ont pas pu assister et on a plus que 200 inscrites et le groupe y grandit. Et donc je t'invite aussi, si toi tu n'es pas au courant, de rejoindre ce groupe. J'ai mis le lien ici où tu peux t'inscrire et refaire ce stage ou faire ce stage mercredi. Alors ce que nous faisons dans ce groupe, je donne chaque jour un petit exercice, ces exercices qui me sont totalement propres, je pense, qui sont à la, comment on dit ça en français, qui sont en même temps très joyeux, très légers, mais qui vont en profondeur de ta féminité. Je mélange les méditations guidées avec beaucoup de danse, beaucoup de mouvements de danse orientale, et c'est magique. C'est toujours magique. Ça me fait tellement plaisir d'avoir ce groupe et aussi de voir que il y a autant de femmes qui s'intéresse au féminin sacré. Ça me fascine, évidemment, ça me remplit de joie parce que c'est ma vie, ça, maintenant. C'est ma magie de tous les jours, maintenant. Et évidemment, j'adore danser, donc c'est toujours avec la danse. Et la danse, c'est une thérapie. La danse, ça, c'est quelque chose de magique. Ils font beaucoup de bruit, mes voisins. Je ne sais pas si tu les entends, là. Je suis mise devant la fenêtre. Attends, je vais fermer la fenêtre. On va fermer la fenêtre. Moi, j'entends beaucoup de bruit. Hein. Moi, oups, ah, je peux pas la fermer. Il y a une moustiquaire. Ok, tant pis. J'espère que vous ne l'entendez pas, ce bruit, en fait. Et donc, voilà. J'espère que tu passes un bon dimanche, que tu cliques sur ce lien. J'ai fait une jolie page. Je suis assez fière de cette page où j'ai expliqué en trois mots à quoi ça va servir, ce stage. C'est un stage que je redonne donc mercredi matin. 2 heures de magie, 2 heures de danse, 2 heures d'expérience de quelque chose de vraiment profond, de très très joyeux. Et voilà, tu peux être et tu es en fait la guérisseuse de ta vie. Et la danse, ensemble avec la musique, ça a quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui fait comme ça en quelques minutes, tu expérimentes une joie, une légèreté que tu n'as peut-être plus du tout ressentie depuis longtemps. Et par la symbolique de ces mouvements, nous pouvons faire guérir et aborder beaucoup de thèmes qui sont importants pour nous les femmes. Donc voilà, si tu as envie de, si ça te rend un peu curieux, c'est ce que j'ai dit ici, clique sur ce lien, regarde, tu peux mettre un commentaire. Donc, le stage, le retourne mercredi, yes! Tu peux encore le faire et dans le groupe, chaque jour, un petit exercice. Je partage les meilleurs exercices que j'ai donc développés depuis les 4 années que j'ai développé ma méthode qui s'appelle Chandra, donc la Healing Through Movement, donc guérir par le mouvement, la magie du féminin sacré. Et c'est magique et je t'invite à ça. Jusqu'à mercredi. Donc, clique là sur ce lien et rejoins-nous avec grand plaisir. Je te vois dans le groupe tout à l'heure. Bye bye. Bon dimanche.